vraiment les composants principaux qui sont à retrouver dans le repas voilà, du soir. C'est à peu près les mêmes qu'au repas du midi. Alors, est-ce que vous pensez avoir une alimentation équilibrée ou pas du tout? Qu'est-ce qui pour vous est dur à mettre en place ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir, connaître? On va voir tout ça, du coup. Alors, pourquoi l'équilibre alimentaire est important? Donc l'équilibre alimentaire, c'est apporter de manière équilibrée et régulière sur la journée, même sur la semaine et sur les mois, des apports suffisants pour couvrir nos dépenses énergétiques et pouvoir avoir de l'énergie, faire fonctionner notre cerveau correctement et notre corps correctement également. Alors du coup, la dénutrition, qu'est-ce que c'est? La dénutrition, c'est un manque d'apport en énergie et en protéines par rapport aux besoins de notre corps. Alors, pourquoi c'est si important, justement, quand on prend de l'âge après 60 ans? Une carence et un manque d'apport alimentaire, ça va créer une spirale, on va dire, on appelle ça un petit peu la spirale infernale. On va manquer d'apport et d'énergie, donc du coup, on va avoir tendance à perdre un petit peu de poids. Et qui dit perte de poids, du coup, dit le corps s'affaiblit. Donc le corps s'affaiblit autant au niveau de la force musculaire, de l'énergie, mais aussi d'un point de vue qu'on ne voit pas forcément immunitaire. On va être plus sujet à avoir des infections, au niveau du stress, le cerveau va fonctionner un petit peu moins bien, parce qu'il n'aura pas tous les apports nécessaires pour bien fonctionner. Donc la mémoire va défaillir un petit peu, etc. Et là, c'est un maigrissement, le déficit immunitaire. Sur quoi, d'après vous, ça peut mener comme étape suivante? Qu'est-ce que ça peut provoquer, justement, d'avoir un système immunitaire un peu défaillant? Des infections, des osteoporoses, peut-être? C'est ça, exactement. Par la suite, du coup, on va développer, on va dire, ça va être un facteur de risque, le fait de ne pas avoir assez d'apport et cette dénutrition sur le développement des pathologies, des infections, le corps va être affaibli. Donc, on va dire, attraper un petit peu plus vite les petites bactéries, le corps va se défendre un petit peu moins bien. Et du coup, on va ressentir un affaiblissement général du corps. Et là, sur quoi ça emmène, en fait, c'est vraiment toute une spirale qui se suit. Donc, le corps va s'affaiblir, les os aussi. Hop, on va faire une petite chute, et vu que le corps est un petit peu affaibli, la fracture va être un peu plus facile à faire que si on avait des os assez en bonne santé. Du coup, qui dit chute, dit hospitalisation, qui dit manque d'apport en énergie, souvent quand on est alité souvent dans très longtemps, les escarres, et ensuite ça mène à une perte d'autonomie. Voilà, c'est vraiment le schéma, souvent quand on est en haut de l'échelle, on se dit bon, bah, c'est pas très très grave. Mais c'est vraiment l'accumulation de toutes ces choses qui font que on va perdre l'autonomie et c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Alors, du coup, l'équilibre alimentaire. Donc là, c'est un tableau qui récapitule un petit peu tout. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de glucides, lipides, fibres, protéines? Alors, du coup, les protéines, on les verra un petit peu après. Alors, les glucides, justement, je vous parlais des féculents tout à l'heure, donc les pâtes, le riz, le pain, etc. Alors, les glucides, c'est vraiment le carburant de votre corps, l'essence. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie pour jouer avec les enfants, pour cuisiner, pour jardiner. C'est vraiment votre dose de carburant. Mais ils ont un autre rôle aussi, donc un rôle structural. Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'est une molécule qui va créer les anticorps. Donc, les anticorps qui vont participer, justement, au système immunitaire. Après, il crée aussi pas mal de choses, le cartilage, le mucus, voilà, pour évacuer un petit peu tous les déchets de votre corps. Et justement, où on les trouve, donc il y a deux types de glucides. Les glucides complexes, c'est-à-dire qu'ils vont apporter de l'énergie de manière lente et lente sur la journée, on va dire. Donc ça, c'est tous les aliments, donc toutes les céréales. Quand on dit céréales, c'est riz, quinoa, pâtes, millet, sarrasin, sorgho, il y en a plein de sortes.
les tubercules, donc pommes de terre, patates douces, topinambours, manioc, même si c'est un tubercule un peu moins consommé ici, et tout ce qui va être légumineuses, haricots rouges, lentilles, pois chiches, lentilles corail, haricots mango. Voilà, tout ça, c'est des céréales. Alors, je vous invite à, justement, dans les magasins ou dans les biocoques, de demander quelles céréales, quelles légumineuses il existe, parce que souvent, on se limite un petit peu au riz, aux pâtes, ça devient un petit peu redondant, alors qu'il y en a plein de sortes qui existent. Et donc, pour varier les saveurs, les goûts, éduquer le palais aussi à plein de saveurs différentes, ça peut être pas mal. Et il y a aussi, du coup, les glucides simples. Alors, les glucides simples, c'est, on va dire, une dose de carburant assez rapide et biodisponible pour l'organisme. Donc tout ce qui va être fruits, légumes, les petits biscuits, les gâteaux, les fruits secs. Donc ça, si vous avez une petite baisse d'énergie, hop, vous prenez un petit fruit sec, tout de suite vous allez sentir que le corps va se relancer un petit peu. Donc ça, c'est une des composantes à retrouver dans un repas. La deuxième composante, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les lipides. Donc les lipides, ils ont un rôle énergétique en premier lieu, mais aussi un rôle structural. C'est eux qui constituent toutes les membranes de votre corps. Donc la santé de la peau, la santé du système nerveux aussi, les neurones. Ils vont participer aussi à la construction des hormones, les œstrogènes, tout ce qui va être thyroïde, la testostérone également. C'est eux qui font un petit peu tous les transporteurs. Et justement, le cholestérol, justement par exemple des œufs, va permettre de construire ces hormones-là. Et du coup, de garder un fonctionnement thyroïdien, du pancréas, du foie, correct pour l'organisme. Alors, les lipides, où on les trouve? Donc, dans les huiles, tout ce qui va être huile végétale. Alors, à la cuisson, on conseille l'huile d'olive, parce qu'elle résiste un petit peu à la chaleur. Et après, en huile pour les assaisonnements, la salade, on conseille un petit peu l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin, qui apporte aussi des oméga-3. Alors les oméga-3 sont super intéressants justement dans l'entretien du système immunitaire, dans une bonne, un bon maintien du système nerveux pour réduire tous les risques de pathologies nerveuses qui touchent à la mémoire, donc Alzheimer, etc. Et il y a aussi donc, du coup des lipides d'origine animale. Donc là on va les trouver dans tout ce qui va être viande rouge, fromage, charcuterie, les produits laitiers également, les œufs. Alors les lipides d'origine animale, on va dire qu'ils sont de moins bonne qualité que les lipides d'origine végétale. Mais ils ne sont pas à éliminer pour autant, ils sont juste à réguler, de ne pas les manger en excès. On va dire on ne va pas manger de la viande rouge matin, midi, soir. Voilà, c'est juste à modérer un petit peu dans la journée et sur la semaine. Et ensuite, alors on a les fibres. Alors les fibres, c'est pas quelque chose d'énergétique, c'est pas quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Mais donc après 60 ans, souvent, le corps a un peu plus des problèmes digestifs, on a un peu plus de difficultés à digérer. Et donc les fibres vont permettre justement de réguler le transit et de nourrir le microbiote. Donc le microbiote, c'est vraiment, comme on dit, le deuxième cerveau de notre corps. C'est vraiment la grande famille des bactéries qui gère pas mal de choses dans notre corps. Donc c'est important d'en prendre soin grâce aux fibres justement. Alors, le fait de réguler le transit va permettre aussi d'éviter tout ce qui va être cancer colorectal par la suite. En fait, avoir tendance à la constipation, du coup les molécules vont un petit peu stagner dans l'intestin et c'est pas forcément bon. Car du coup, oui, les vitamines vont pouvoir être absorbées, mais il y a aussi toutes les toxines, etc., qui vont passer à travers la barrière intestinale. Et du coup, ça va épuiser aussi les cellules intestinales. Donc, de réguler ce transit et d'avoir un transit régulier va permettre de prévenir tous ces cancers colorectaux. Et aussi, vont permettre de réguler, les fibres vont permettre de réguler l'index glycémique des aliments. C'est-à-dire c'est la capacité que votre corps a à assimiler les glucides donc de la première colonne. Des fois, on peut par exemple manger des gâteaux et 2 heures après, on va sentir une grosse fatigue parce qu'en fait, on aura un gros pic d'énergie et dans le sang, hop, ça va rechuter d'un coup. Que si on avait des fibres, la glycémie va monter de manière plus régulière et on n'aura pas ce pic de fatigue
une heure ou deux heures après. Et donc ça, c'est quand tout est dérivé, c'est ce qu'on appelle le diabète en fait. Donc voilà, les fibres vont permettre aussi de réguler cet apport en glucides et d'éviter tout ce qui va être risque de diabète de type 2 par la suite. Alors, où on les trouve, ces fibres? Donc dans toutes les céréales qu'on dit semi-complètes ou complètes. Alors, pareil, tout est une question de modération dans l'alimentation. On ne dit pas de faire, de choisir tout le temps du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, mais de temps en temps d'avoir voilà, du riz semi-complet, ensuite bah, de manger par exemple des pâtes blanches, ensuite du pain complet. Voilà, de varier un petit peu les aliments, c'est pas tout ou rien, c'est de temps en temps intégrer des pâtes semi-complètes ou complètes par exemple dans l'alimentation, ou du riz, ou des choses comme ça. Des légumineuses, donc tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, pois chiches, pois cassés. On verra des petites idées de recettes à la fin de la partie nutrition. Tout ce qui va être fruits crus, donc plus un fruit va être mangé avec la peau et cru, plus il va contenir de fibres. Plus il va être mixé en compote sans la peau, moins il y aura de fibres. Et tout ce qui va être aussi fruits secs, raisins secs, abricots secs, bananes séchées et oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui va être cacahuètes, pistaches, amandes, noix. Voilà, toutes ces molécules-là vont permettre de réguler le transit et d'apporter des fibres. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie ou pas? Pourquoi vous dites rajouter de la farine blanche alors qu'elle n'a aucun intérêt? Ou des pâtes blanches ou du riz blanc? Alors, parce que d'avoir aussi, comme je disais, tout ou rien, si on a trop de fibres dans le corps, justement, le trop de fibres peut causer des effets néfastes sur la digestion. Autant elles peuvent constiper, mais autant elles peuvent causer des diarrhées. Donc d'avoir trop de fibres, ça peut être aussi pas forcément agréable pour le côté digestion. Donc après, par exemple, l'idée, ça peut être une farine T65, pas forcément la T45, mais T65, elle reste quand même assez blanche. Et donc ça, ça permet de varier. L'idée, quand je disais de ne pas faire tout complet, d'utiliser parfois des produits raffinés, c'est, on dit 50%. 50% de produits raffinés, 50% de produits complets ou semi-complets dans l'alimentation. Voilà. Après, les farines, il en existe plein. Farine de sel, farine de châtaigne, farine de coco, farine de patate douce, farine d'amande. Il y en a plein à varier, farine de fécule de maïs aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment de varier dans l'alimentation, de ne pas se cantonner forcément à un type d'aliment. Est-ce que vous avez d'autres questions ou interrogations? Alors du coup on va passer à la suite. Alors du coup on va passer justement à la place de la protéine et son rôle dans le vieillissement. Alors déjà, est-ce que vous savez un petit peu quel est le rôle des protéines dans l'alimentation? Pourquoi on insiste autant après 60 ans? Pour la masse musculaire. Oui. Et justement, qu'est-ce qu'on risque à perdre de la masse musculaire? Le corps répond moins bien aux sollicitations, les muscles s'atrophient. Oui, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres effets de ne pas avoir assez de protéines à part la masse musculaire? Le cerveau? Oui, aussi. Ok, donc on va voir un petit peu tout ça. Mais c'est ça. Alors, le vieillissement physiologique, donc c'est-à-dire quand le corps vieillit, du coup, il va y avoir un phénomène qui s'appelle le catabolisme. Donc quand on est jeune, on a l'anabolisme, c'est-à-dire la création de tissus. Plus on avance dans l'âge, plus on va vers le catabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction, on va dire, des tissus, des cellules. Donc c'est-à-dire la destruction, bah, justement, de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc c'est une diminution assez importante de la masse musculaire dans le corps. Le pourcentage d'eau aussi, quand on va dans l'âge, on perd un pourcentage d'eau dans le corps, et en plus de ça, on a moins la sensation de soif qu'avant. Donc du coup, le corps est un peu plus déshydraté, et le rein va un petit peu se fatiguer, c'est-à-dire que toutes les molécules
vont s'agglutiner dans le rein, et s'il n'a pas assez d'hydratation, il ne pourra pas filtrer toutes ces choses-là. C'est comme si vous aviez un marc café, enfin, le café, vous ne mettez pas d'eau, ça ne peut pas passer. Voilà, le rein, c'est un petit peu pareil. Il faut du liquide pour que ça puisse filtrer. Il y a la déminéralisation osseuse, donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est les os qui perdent en minéralisation et du coup en solidité. Donc du coup, quand on va tomber, on va avoir plus tendance à se fracturer plus facilement que quand on est plus jeune. Et aussi, il y a une dysrégulation, justement, au niveau du système nerveux, comme vous le disiez. Il y a moins de signaux. Le corps réagit moins bien aux signaux, à ses besoins. Et donc, du coup, on aura moins la sensation de soif. L'odorat va être moins développé, tout comme la vue et l'ouïe. Et ça, ce sont des facteurs, même quand on cuisine, d'avoir l'odeur du plat qu'on prépare permet de préparer la digestion. Un truc tout bête, hein, le croustillement du pain, dégoûter ces choses-là de nourriture va permettre de préparer la digestion, de préparer le cerveau à la prise alimentaire. Et donc du coup, tous ces processus enzymatiques vont être diminués avec l'âge. Et du coup, tout ce vieillissement-là va provoquer un risque de dénutrition. Donc la dénutrition, comme je vous rappelle, c'est un manque d'apport en énergie et en protéines. Donc du coup, l'apport en protéines, justement, qu'est-ce qu'elles vont permettre, justement? Alors, elles vont permettre de diminuer la fatigue. Justement, si on a un apport en protéines qui est équilibré par rapport à nos besoins, on va pouvoir bouger un peu plus, jouer avec les petits-enfants, les enfants, et même au niveau de l'estime de nous-mêmes, de se dire bah, « je peux bouger, je peux faire ce dont j'ai envie », c'est toujours mieux que si on se dit « mince, je suis fatiguée, là, je ne peux pas jouer avec eux, je suis frustrée ». Les protéines participent aussi, donc, comme les glucides, à créer la molécule des anticorps, donc les anticorps pour défendre l'organisme face aux agressions des bactéries et des virus dans l'environnement. Donc elles vont permettre de garder ce système immunitaire en forme. Elles permettent aussi, donc la kératine et le collagène, souvent qu'on entend dans les pubs, ce sont des molécules, ce sont des protéines. Donc d'apporter des protéines dans l'alimentation va permettre d'entretenir la santé de la peau, la santé des cheveux, et le collagène fait partie aussi donc, des articulations. Souvent on a tendance à avoir un petit peu plus de douleur avec l'âge. Et donc le fait d'avoir des os solides, du collagène en quantité suffisante, grâce à l'apport en protéines suffisant dans l'alimentation, on va permettre de diminuer un petit peu, on va dire, de prévenir l'arrivée des douleurs articulaires. Et aussi, du coup, le maintien de la masse musculaire et osseuse pour éviter le risque de fracture, et ensuite hospitalisation, et d'escarres, etc., et de perte d'autonomie. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme une grosse spirale. Si on travaille sur la chaîne du haut, on va du coup diminuer la perte d'autonomie qui est tout en bas. Alors, au niveau des sources, donc du coup, les plus connues, donc c'est les sources animales, donc tout ce qui va être poisson, autant les poissons blancs que les poissons gras, les viandes rouges, viandes blanches, et les œufs, justement. Et il y a aussi la partie des produits laitiers, du coup. Donc tout ce qui va être fromage, fromage blanc, lait, yaourt, vont permettre aussi d'apporter des protéines à votre repas. Et souvent, on les oublie un petit peu, il y a aussi les protéines d'origine végétale. Alors, les protéines d'origine végétale, il y a tout ce qui va être légumineuse, comme je vous disais, donc les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les haricots mongo, les choses comme ça. Et aussi, alors, avant, on ne connaissait pas vraiment, mais donc, du coup, depuis l'arrivée l'alimentation, pardon, asiatique, il y a le soja. Donc le soja, c'est une légumineuse, c'est un légume sec. Donc on va dire, c'est un goût assez neutre. Par contre, il faut le cuisiner. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le tofu, le tempeh. C'est des saveurs un petit peu nouvelles. Souvent, on a tendance à se cantonner au poisson et à la viande. Mais c'est des saveurs à découvrir de temps en temps. Donc il existe plein de sortes de tofu et de tempeh.
Donc, à faire revenir avec des épices, du sel, du poivre, des épices aromatiques, des herbes aromatiques, pardon. C'est aussi une source de protéines qu'on ne connaît pas forcément dans l'alimentation française classique. Est-ce que vous connaissiez toutes ces sources de protéines ou pas? Est-ce que vous les utilisez au quotidien? Est-ce que les sources d'origine végétale, vous les utilisez ou c'est plus animal? Végétal. Alors, du coup, on va voir un petit peu quelques idées de recettes, parce que là, on sort un petit peu des idées des aliments, mais comment les cuisiner. À l'automne, justement, la soupe de lentilles, qui permet de réchauffer un petit peu. Alors, je ne sais pas si ce sera possible, après, peut-être d'imprimer des parties du diapo pour leur transférer ou pas. On a d'autres recettes, mais on pourra transmettre le diapo, je ne sais pas forcément pour imprimer, mais on pourra transmettre le diapo. Oui, donc du coup, la soupe de lentilles, alors ça peut être feuilles de lentilles vertes, lentilles corail, lentilles blondes. Donc ça, c'est une quantité pour une personne. Après, si vous êtes deux, vous pouvez les quantités. Je vous laisserai la découvrir et du coup, si leur fourchette vous la transmettra. C'est tout bête, hein. On va venir faire revenir les oignons dans un grand faitout ou une casserole avec un petit peu d'huile d'olive qui résiste justement à la chaleur. On met les lentilles, on couvre d'eau, on met un petit bouquet garni. Hop, on a juste à laisser mijoter à feu doux. On peut s'occuper de quelque chose d'autre dans la maison. Et ensuite, une fois que les lentilles sont assez tendres, alors on peut soit la consommer comme ça, en rajoutant un petit peu de crème, soit on la mixe et du coup, ça permet d'avoir un petit apport en protéines. Et on peut même rajouter un petit peu de petit salé à l'intérieur pour avoir un petit apport en protéines animales si on le souhaite et si on veut quelque chose d'un petit peu plus consistant. Et le repas, on peut finir avec un yaourt et un fruit ou un petit bout de fromage et une compote. On peut même mettre un petit peu de fromage dans la soupe si on veut aussi. Et la deuxième recette, du coup... Alors, c'est la saison des courgettes, des courges butternut, des potimarrons. Donc un petit gratin de crozet. Alors les crozets, c'est les petites pâtes carrées. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des crozets justement au blé, mais il y a aussi des crozets au sarrasin. Donc ça permet un petit peu de varier les apports en glucides. Et qui permet aussi de consommer le potimarron, parce que des fois, on ne sait pas trop comment cuisiner à part en soupe. Donc on coupe le petit marron en dés, on fait cuire les crozets donc comme des pâtes classiques dans de l'eau salée. Ensuite on fait revenir un petit peu les oignons. On prépare une petite béchamel, donc là vous prenez la farine de votre choix. Ça peut être farine de blé, farine fécule de maïs, de patates douces. Voilà. Les laits, pareil, vous pouvez varier entre... Alors les laits, le lait de vache, de chèvre, de brebis, les laits d'origine animale, apporte un petit peu plus d'énergie que les laits végétaux. Mais les laits végétaux sont un petit peu plus digestes, on va dire. Donc tout dépend, ça va varier en fonction de vos goûts aussi, et au niveau des saveurs. Donc voilà, vous préparez la petite béchamel, hop, on met dans un plat au four, on met un petit peu de fromage par-dessus, ça peut être du parmesan, de l'emmental, du comté, du bleu. Au four, 20 minutes, et du coup, on a un gratin, donc on a l'apport en féculents, grâce du coup au crozet, l'apport en légumes avec le potimarron, et du coup pour ajouter un petit apport en protéines, donc le fromage évidemment pour le gratiner apporte un apport en protéines, mais vous pouvez compléter avec un petit bout de jambon et une salade à côté par exemple. Et ensuite du coup la troisième recette, alors ça peut être même une recette au repas de fête par exemple, hein. Des fois, souvent, on parle de crumble sucré, mais on peut aussi faire un crumble salé. Chèvre, saumon, poireau. Poireau qui va avoir, du coup, l'apport qui va permettre d'apporter des fibres, l'apport en légumes. Le saumon, l'apport en protéines et en bon acide gras. Le saumon, c'est un poisson gras, du coup, qui va apporter des oméga-3, de l'iode, voilà, pour toute la santé thyroïdienne.
C'est un très bon apport. Et le crumble, justement, qui va servir en fait de féculent de glucides dans votre plat. Donc là, par exemple, j'ai marqué farine de blé semi-complète, farine de maïs, mais ça peut être par exemple farine d'épeautre avec de la fécule de pomme de terre, voilà, ou farine de châtaigne. Un petit peu de pain, si vous avez du pain un petit peu sec, vous le mixez, ça permet de servir de chapelure. Du parmesan et vous coupez un petit peu des petits bouts de beurre, vous malaxez le tout, donc ça vous obtenez comme un crumble en fait, une pâte à crumble. Et du coup, une fois que les poireaux sont revenus, sont un petit peu fondants, on met tout ça dans un plat et on met au four. Et du coup, vous avez un bon crumble, vous pouvez rajouter du chèvre aussi pour augmenter un petit peu l'apport énergétique et l'apport en protéines à votre repas. Et donc ici, vous avez le repas complet en un seul plat et vous pouvez finir par un fruit, une banane et du chocolat ou voilà, un petit dessert en complément. Alors du coup, il y a d'autres... Là, c'est les petites astuces générales de comment enrichir son alimentation pour justement pallier à cette dénutrition. Donc des fois, c'est des choses toutes bêtes. Hein, dans les soupes ou les potages, justement, rajouter un œuf, du fromage... rajouter des légumineuses, donc on peut rajouter par exemple des pois chiches qu'on va mixer dans le potage qui permet d'apporter un petit apport en énergie, en protéines et en glucides à la soupe. Dans les salades, mettre une petite boîte de thon, des petites sardines, du maquereau, justement comme je vous disais des gésiers, du saumon fumé dans les salades, ce qui permet d'apporter un petit plus que si on a une salade avec uniquement des crudités. Et dans les gâteaux, alors les gâteaux, souvent, on a du sucre, du beurre et de la farine. Et pour compléter un petit peu l'apport nutritionnel, on peut rajouter donc, la farine de pois chiche, par exemple. Du coup, le pois chiche est une légumineuse. Ça va permettre d'augmenter la teneur en protéines donc, de son gâteau. La farine d'amande, la farine de cacahuète. Même au niveau des saveurs, ça permet de, justement, la farine de cacahuète, les enfants aiment bien souvent. Donc elle est un petit peu dure à trouver, mais elle permet d'apporter une saveur en plus au gâteau, justement. À la place du lait, on peut mettre aussi un petit peu de fromage blanc dans le gâteau, ce qui permet d'apporter un petit peu plus, un apport un peu plus important en protéines, en lipides au gâteau. Ou même carrément, après, quand on est à un stade un peu plus avancé dans la dénutrition, quand on est dans une dénutrition déclarée, rajouter de la poudre de lait, comme les enfants, en fait, la poudre de lait demi-crémée dans un gâteau, par exemple, ou dans un yaourt. Et au petit déjeuner, comment apporter un petit apport en protéines? Parce que souvent, on n'a pas un beurre confiture, mais du coup, on n'apporte que des glucides et un petit peu de lipides avec le beurre, mais des fois, c'est pas forcément suffisant. Donc, ajouter un yaourt au petit déjeuner, ou un petit peu de fromage blanc, ou même ça peut être du salé. Un petit bout de jambon, un petit bout de fromage au petit déjeuner, si on est un peu plus salé le matin, ça permet d'apporter une dose d'énergie, de protéines un peu plus importante pour le reste de la journée. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que justement vous avez d'autres, vous utilisez d'autres aliments pour enrichir votre alimentation ou... Vous parlez très peu de légumes crus. Alors les légumes, donc c'est justement pour l'apport en fibres. Plus un légume va être, c'est comme le fruit, plus un légume va être cru et consommé avec la peau, plus il va avoir de fibres. Plus il va être cuit et sans la peau, moins il va y avoir de fibres du coup. Là pareil, tout est une question de digestion. Certains tolèrent très bien les légumes crus et l'idée c'est de faire pareil, 50-50. Admettons, à midi on a eu des légumes cuits, le soir on peut faire une salade avec des crudités, carottes râpées, betteraves râpées, choux, navets, radis, voilà. C'est pareil, à varier. Et du coup, un légume cru, les avantages, c'est qu'ils apportent plus de vitamines et minéraux, mais au niveau digestif, ils sont un peu moins digestes que des légumes cuits. Les légumes cuits sont plus digestes, mais du coup, avec la cuisson, on les dénature un petit peu plus en vitamines et minéraux. Ouais, ça veut dire que vous n'épluchez pas les légumes. Alors, par exemple, admettons, si vous avez une courge avec une épaisseur de peau assez conséquente, là, oui, vous pouvez l'enlever. Mais par exemple,
la peau des fois des carottes du jardin, si vous la lavez bien comme il faut, vous pouvez la garder. Le carotte, c'est un légume assez digeste. Voilà, ou la courgette, vous épluchez une sur deux, surtout si vous les mettez dans les soupes. On peut des fois garder la peau, justement. Ça permet d'apporter un petit peu plus d'apport en vitamines et minéraux. Si vous les mangez crues, je vous conseille d'enlever la peau, parce que déjà au niveau du goût, c'est un petit peu moins bon. Au niveau des règles d'hygiène, c'est un petit peu moins sécuritaire aussi. Et au niveau digestif, voilà. Mais si c'est cuit en potage, là, on peut garder la peau sur certains aliments, justement. Ça veut dire qu'il faut acheter principalement du naturel ou bio. Oui, du bio. Exactement, c'est oui. Ça. Voilà. Tout le monde ne peut pas forcément. Non, oui, oui, c'est sûr. Surtout les gens à la retraite. Par exemple, ce que je conseille, c'est se tourner vers du bio, au moins pour les fruits. Par exemple, si vous consommez des pommes avec la peau, là où ils préféraient des pommes bio, admettons si vous achetez des courgettes, par exemple, vous pouvez les prendre, pas forcément bio, mais là, du coup, je vous conseille d'enlever la peau. Voilà. C'est toute une question d'équilibre. Autre chose, on entend dire que le lait n'est pas bon pour les personnes âgées. Alors... le lait, par exemple, admettons, vous allez avoir, du lait le matin. À midi, vous allez avoir du fromage. Vous allez cuisiner avec de la crème. À 4 heures, vous allez mettre du lait dans un gâteau. Et le soir, vous allez mettre un yaourt ou du lait dans le potage. En fait, sans s'en rendre compte, ça fait beaucoup de lait étalé sur la journée. Et le lait, en fait, quand on arrive à l'âge adulte, on perd ce qu'on appelle la lactase. La lactase, c'est l'enzyme qui va permettre de digérer le lactose dans notre intestin. Et justement, le lait est tellement transformé que le corps ne sait plus digérer le lait. Et du coup, ça peut créer des troubles digestifs, effectivement. Alors, les produits laitiers ne sont pas à bannir complètement. Ce qu'on conseille, c'est 2 à 3 par jour. Donc tout compris, lait, fromage, yaourt. Admettons, si on a un fromage à midi et un yaourt le soir, en produits laitiers, on est bon, on en a 2 par jour. Voilà. Et justement, le gâteau, par exemple, à 4 heures, on peut utiliser du lait végétal. Voilà. Il y a lait d'amande, lait de soja, lait de noisette, il y en a tellement maintenant disponibles. Voilà. Mais c'est 2 à 3 produits laitiers, donc tout compris, par jour. Oui, mais est-ce qu'il y a une différence quand même entre les produits laitiers allégés et au lait entier? Alors, au lait entier, c'est-à-dire qui comporte. Au niveau des lipides, donc du gras, il va comporter tout le gras équivalent au lait cru. À quelque chose près. Et du lait allégé, il va plus avoir de gras du tout. Alors, je mets un petit warning sur les produits allégés, surtout déjà après 60 ans, parce que là, l'objectif, c'est vraiment de limiter la dénutrition. Donc, les produits allégés, certes, ils vont être allégés en calories, mais souvent, ils rajoutent des additifs. Et les additifs, c'est, j'ai envie de dire, presque autant néfaste en fait. Autant consommer du lait cru si vous avez un petit producteur dans le coin. Donc ça, le lait de qualité, même si c'est plus occasionnel que du lait allégé avec des additifs qui, eux, vont avoir beaucoup d'effets sur la fonction endocrinienne, la fonction du système nerveux. Et au final, ils vont apporter des calories sans rien autour, quoi. Voilà, donc... du lait demi-écrémé ou voilà, du lait entier si vous avez un petit producteur du coin de temps en temps. Est-ce que tous les effets néfastes qu'on donne au lait de vache, on les retrouve dans le lait de chèvre ou le lait de brebis? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je vous aurais dit il y a 10 ans moins, mais en fait le lait de vache, le problème c'est qu'il y a une surconsommation mondiale, donc il est tellement transformé pour avoir du rendement. Mais si on compare par exemple en bio, est-ce qu'on trouve autant d'effets néfastes dans les deux chèvres que dans les vaches? Alors, un petit peu moins, parce qu'ils sont moins transformés. Les industries le transforment un peu moins. Le moins, on va dire, industrialisé, c'est le lait de brebis. Mais il reste quand même assez fort en goût aussi. Mais dans le cas des yaourts, du fromage. Les yaourts, on peut varier. L'idée, c'est vraiment de varier. Admettons, vous avez utilisé un lait de vache voilà, à midi, et ben le soir vous pouvez prendre un yaourt au lait de brebis ou de chèvre, justement. Et ils sont un petit peu plus digestes, c'est pas exactement les mêmes molécules, ils sont un peu plus digestes que le lait de vache aussi. Après, tout dépend des tolérances. Certains vont très bien tolérer le lait de vache, d'autres vont pas tolérer mais tolérer le lait de chèvre et de brebis, et d'autres vont tolérer aucun lait animal. Voilà, tout dépend des seuils de tolérance et aussi l'état de votre santé intestinale.
si vos intestins sont assez abîmés, que le microbiote n'est pas en très bonne santé, automatiquement la digestion va être difficile pour tous ces aliments-là. Le lait sans lactose, alors. Alors, le lait sans lactose peut être une option aussi. Si on veut vraiment du lait animal, on peut prendre du lait sans lactose. Il va être, en fait, ils mettent la molécule de la lactase dedans. Du coup, automatiquement, quand on va le boire, l'organisme aura la lactase via l'ajout de l'industriel. Donc, ça peut être aussi une alternative, justement, pour digérer le lait. Mais il est un petit peu plus cher aussi. Ouais, il n'est pas très bon non plus. Voilà, aussi. Les compléments alimentaires, est-ce qu'on doit en prendre? Alors, de quel type, par exemple? Ben justement, les probiotiques intestinaux, donc on peut en prendre pour entretenir la fonction intestinale, la peau, les cheveux. Alors, donc les probiotiques, je vous conseille de demander carrément à votre médecin, parce que nous on peut vous les conseiller, mais on ne peut pas vous les prescrire en tout cas. Les probiotiques permettent du coup justement d'apporter les bonnes bactéries à l'intestin. Par contre, des fois on prend un petit peu des probiotiques à tout va. Et le souci, c'est que imaginez vraiment votre paroi intestinale comme un mur. Un mur, quand il est abîmé, il va y avoir des trous dedans. Donc s'il y a des trous dedans, certes on va donner des probiotiques, donc on va mettre des bonnes bactéries, mais il va y avoir aussi des toxines qui vont passer par les trous. Donc on va donner des bonnes bactéries, mais ces bonnes bactéries ne vont pas réparer le mur. Donc l'idée en premier temps, c'est de réparer le mur, on va boucher les trous, et ensuite on va repeupler avec des bonnes bactéries. Donc ça, si vous avez vraiment des problèmes de digestion, je vous conseille de vous tourner vers votre médecin, et lui va vous prescrire quelque chose qui va réparer la paroi intestinale, et par la suite, vous donner des probiotiques pour construire, pour repeupler ce mur. Mais les probiotiques, on en trouve aussi dans l'alimentation. Tout ce qui va être, par exemple, le chou de la choucroute. Donc c'est un aliment fermenté. Tout ce qui va être fermenté dans l'alimentation va permettre d'apporter des bonnes bactéries. Donc souvent, donc, le chou de la choucroute, il va aussi y avoir donc, les fromages. Les fromages, c'est fermenté. Il va y avoir aussi, donc souvent on les connaît un petit peu moins, le kéfir, donc le kéfir de lait, souvent on les trouve dans les boutiques bio ou les biocop. Donc vous demandez du kéfir de lait, il y a des petits yaourts avec des graines de kéfir qui apportent des très bonnes bactéries justement pour repeupler cet intestin. Il va y avoir aussi le kombucha. Le kombucha, c'est une boisson fermentée. Bon, alors elle est assez acide, c'est entre la limonade et le jus de fruits entre guillemets. Donc c'est assez spécial au niveau du goût, c'est à tester. Il y a aussi le miso. Le miso, je ne sais pas si vous connaissez, les petites soupes asiatiques, les soupes miso. Ça, c'est un très bon apport en probiotiques et en bonnes bactéries. Le miso, on peut le rajouter dans les soupes, c'est une espèce de petite pâte brune ou blonde, donc à base soit d'orge, soit de riz, soit de soja. Donc c'est une saveur, vraiment tout autre des saveurs de la cuisine française. Donc c'est à tester et ça permet aussi de découvrir d'autres goûts. Donc voilà, tous ces aliments vont permettre d'apporter des probiotiques déjà dans l'alimentation. Et après par rapport à tout ce qui va être complément alimentaire, donc j'ai envie de dire que ça peut aider, surtout pendant la période de l'hiver par exemple, parce que des fois si on a tendance à manger beaucoup de légumes cuits, etc., et puis avec le vieillissement du corps, on absorbe un petit peu moins aussi, on absorbe moins bien les vitamines et les minéraux, donc ça peut être une aide pour la santé des cheveux. Alors après, faire attention aux gros industriels, par exemple les pubs, on voit l'industrie pharmaceutique, Luxéol cheveux, voilà, toutes les choses comme ça. Je vous conseille de demander à votre pharmacie vraiment les molécules, se tourner vers du bio, mais du coup c'est un petit peu plus cher aussi, parce que souvent l'industrie pharmaceutique, il y a aussi beaucoup de marketing en fait dedans. Donc déjà se concentrer, réguler l'alimentation, et ensuite si on voit qu'on a du mal, là oui se tourner vers des compléments alimentaires
pour compléter un petit peu les apports, justement. En ce qui concerne le pain, combien par jour ? Alors, le pain, c'est un féculent aussi. Donc, admettons, vous avez, par exemple, un potage avec des pommes de terre dedans. Souvent, on en fait pour plusieurs jours, donc la quantité de pommes de terre n'est pas assez conséquente. Là, on peut prendre un petit bout de pain pour compléter l'apport en féculents. Admettons, si vous avez, comme par exemple, le gratin, avec la béchamel, les crozets, etc., vous n'êtes pas systématiquement obligé de prendre du pain dans le repas, car vous avez déjà le féculent dans le gratin via les pâtes. Et le pain, pareil, je conseille du pain au levain, du pain au seigle, du pain complet, du pain à l'épeautre. Voilà, varié que du pain blanc, qui est un petit peu dépourvu de vitamines, minéraux et de fibres. Le pain au levain, justement, demandez bien dans la boulangerie, j'aimerais du pain au levain. Donc il y a soit le pain à la levure, boulangère, soit le pain au levain. Et en fait, le levain, on appelle ça, il va capter les phytates. Donc il va être beaucoup plus digeste pour au cours du repas. Il va permettre de digérer les molécules qui sont plus difficiles. Donc voilà, il va aider à la digestion du repas. Voilà. Comment le petit déjeuner, comment c'est la norme de pain au petit déjeuner quand on tartine? Alors la norme, donc tout dépend déjà si vous êtes un homme ou une femme, et donc tout dépend le poids, l'âge, mais en règle générale, ce qu'on conseille, c'est environ 60 voire 100 grammes pour un homme qui a une bonne dépense énergétique. On peut prendre 100 grammes, mais 60 grammes, ce qui fait à peu près deux tartines. Comme ça, oui, à peu près. Et la boisson qui accompagne les repas? Alors, donc déjà tout d'abord de l'eau. Par rapport à l'hydratation, ce qu'on conseille, c'est minimum 1 litre d'eau par jour. Donc après, ça comprend aussi le café, le thé, les infusions. Hein. Voilà, par exemple, si vous avez un gros bol de café au petit déjeuner, qui fait presque 300 ml, ça compte aussi comme de l'eau, évidemment. Alors, tout ce qui va être jus de fruits, soda, ça compte pas comme de l'hydratation. Parce que souvent, les jus de fruits, ça compte pas comme de l'hydratation. C'est assez sucré, et donc, ça va peut-être plus déshydrater qu'autre chose, en fait. Donc, de l'eau au repas, souvent au moins un verre d'eau minimum par repas. Alors après, faire attention si on a un petit appétit, que justement, quand on avance après 60 ans, on a moins de sensations de faim. Et donc, si on boit un grand verre d'eau au début du repas, on aura peut-être moins faim pour justement avoir de la place pour le repas. Donc, ce qu'on conseille, c'est des petites gorgées de temps en temps, étalées sur la journée. Et ce que je conseille aussi, c'est d'avoir une petite bouteille d'eau à disposition de 500 ml. C'est-à-dire, dans le matin, je bois 500 ml. Et dans l'après-midi, je bois aussi 500 ml. Alors après, il y a des petites astuces, on peut mettre un petit peu de citron, des fraises, des cerises dans l'eau, les faire un petit peu infuser, ça aromatise un petit peu. Un petit peu de sirop aussi, par exemple, au goûter, justement, le goûter va permettre d'apporter, je vais boire un petit verre avec mon yaourt au goûter à 16h, ça permet aussi d'apporter un petit peu d'hydratation. Mais voilà, on conseille au moins minimum 1 litre d'eau par jour. S'il n'y a pas hors pathologie, dialyse, diabète, ça c'est après à voir avec le médecin. Voilà. Mais chez quelqu'un de bien portant, minimum 1 litre d'eau par jour. Et en ce qui concerne le vin, combien de verres par jour ? Alors, le vin, si c'est du vin rouge, le vin a des très bons effets, mine de rien, pour la santé cardiovasculaire. Donc vin rouge, pas vin blanc moelleux très sucré. Alors, c'est différent. Mais un petit verre de vin, alors bon, il y a des grands verres à vin et il y a des petits verres de vin, on dit c'est 100 ml à peu près par jour, voilà. Mais de manière très modérée. Et pareil, s'il y a des pathologies de risque cardiovasculaire, de diabète, quand même à limiter et plus privilégier le week-end aussi. Quand on est obligé de passer dans le sans gluten, est-ce qu'on peut avoir des carences? Oui et non. Alors je dirais oui parce que souvent, dans le sans gluten, alors il y a sans gluten et sans gluten. Il y a les intolérants au gluten qui peuvent tolérer des fois du gluten autre, par exemple de l'épeautre, et il y a les allergiques au gluten
qui là, même tout ce qui va être orge, avoine, tout ça, là, il ne tolère pas du tout, du tout. Même que la cuillère ait touché la fécule de maïs et la farine de blé, ils vont être allergiques. Alors, ça peut créer des carences dans le sens où on n'adapte pas son alimentation à côté, en fait. Parce que le gluten, du coup, si on élimine le pain, mais qu'on ne le remplace pas, si on élimine les pâtes, mais qu'on ne les remplace pas, qu'on va... Si on remplace les pâtes par des pâtes sans gluten, je veux dire, ah, oui. Est-ce que ça vous apporte des carences? Non. Pas, voilà, le gluten, c'est des glucides, et les minéraux qu'on va trouver dans le blé, on peut autant les trouver dans le quinoa, dans le riz, dans le sarrasin, dans le millet. Voilà. Si on les remplace par un autre aliment, une variante, non. Ça... Peut-être passer, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, la parole, du coup, à Delphine. Bien, alors vous me posez peut-être la question pourquoi une psy-sophrologue se retrouve dans une conférence sur l'alimentation. Rebecca vient de nous donner beaucoup d'informations sur le volet nutritionnel. Il faut savoir que l'alimentation a aussi un volet très important sur le plan émotionnel. C'est ce que l'on va voir ensemble. Et pour commencer cette réflexion, je vous propose un petit court-métrage et puis on échangera dessus ensuite. Il faut bien en mettre sur les bords. Ah, le fond, je commence par le fond. Ouais. Le fond, d'abord le fond bien. Hein. Puis ensuite je tourne. Ça sent plus, il y en a, mais c'est. Hein. Voilà. Leïla, il est l'heure de se réveiller. Ma grand-mère, dans une autre époque, a commencé par son prénom, Huguette. Non mais franchement, beaucoup trop vieillot à son goût. Du coup, pour nous, c'est Yaya. Mais surtout, ma grand-mère est une baronne. Alors je mets du beurre, je mets pas de beurre, je mets pas de beurre. Bah si, mais non. Pourquoi t'en mettrais pas? Parce qu'il est dur comme du bois. Mais attends, tu veux que je... Mais je vais te le faire, moi. Non, je vais le faire. Ok, fais-le. Je te mets les cheveux. Ouais, on va te faire un le brushing. Je suis crâne. Bon, on va en vitesse, hein. La star. Attends, la star. C'est bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut souffrir, hein? Pourquoi elle est pas très belle? N'ayez pas peur de tirer, là. Tu as passé? Et t'es allé tous les jours chez le coiffeur? Les semaines, et si je sortais, je devais aller en plus une fois. Et tu disais quoi, il faisait la manucure aussi? Manucure de mains et pieds. Madame, merci. Vous êtes coiffée. Bon, alors je m'habille. Vous êtes canon. Vous venez? Ouais, on prend le bateau. D'accord. Yaya a grandi dans un château, mais sa vie n'a pas été qu'un conte de fées. Son mariage, arrangé, a mal tourné et l'a complètement ruiné. À part le vouvoiement, quelques recettes et beaucoup de souvenirs, il ne lui reste plus grand-chose. La Bretagne, c'est chez elle. C'est là qu'elle a puisé ses forces pour rebondir et c'est ici qu'elle vient se ressourcer tous les étés. Le soufflet, c'est tout à la fois le plat de mes vacances d'été et un héritage de son passé. C'est d'abord un plat sophistiqué qu'on retrouve à la carte de grands restaurants étoilés où elle avait l'habitude d'aller. C'est archaïque, hein, ce four. Hé, la râleuse. C'est ma nature, hein, rien. Mais non. Faut combattre ça. T'en fous maintenant. Ouais, éperdument. Je rajoute le poivre. Tu mets bien comme ça, ça va voler. Et maintenant, on va dans le muscade. Allez, j'en mets plus. T'en mettais plein. C'est beau, mais il est où ?
On a vu le fromage, mais je mets presque tout le pastel, ok? Tu me rends, allez, tu veux que je fasse? Allez, tourne un coup. Ah, bon, voilà. Oui, mais le soufflé, c'est aussi un plat très simple qu'elle a pu continuer à faire toute sa vie. Du fromage, du lait, du beurre, des œufs et un peu de magie quand même pour le faire gonfler. Bien sûr, toi. Oui, ça va. En fait, c'est ça qui me plaît. Avec le soufflé au fromage, je peux raconter les différentes vies de ma grand-mère. C'est comme ça, les copains. Comme ça. Comme ça, voilà. Comme ça. Voilà, très bien touillé. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, je pense ça, là. Aussi. Un, deux. Et top, fermé. Ah. Impossible d'ouvrir. 10 minutes. Bravo. Ne remplissez pas votre verre pour qu'on n'en ait plus. Hein. Pourquoi t'aimais les règles? C'était marrant parce que je mettais mon assiette à côté d'eux, etc. Je mangeais comme ça. J'étais contente d'être avec eux. Pourquoi quand tu mangeais à table, t'as écrit? Il ne fallait pas mettre un coude sur la table, c'était interdit. Et c'est pour ça que j'ai encore mal dans l'épaule. Ma grand-mère a pris mon elle était à côté de moi, mon truc, elle a tapé de toutes ses forces. J'ai hurlé. Aïe. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait bien se tenir à table. Il fallait pas mettre ses coudes sur la table. Oui, mais quoi d'autre? Les dîners, c'était quoi? C'était très... Voilà, il y avait plein de manières. Oui, il y avait la soupe, il y avait un autre plat, il y avait encore un autre plat, encore la salade, puis ensuite du fromage, puis ensuite des fruits. Il monte ou pas? Il monte pas. Mais c'est à la fin qu'il monte, mais il a un peu monté. Bon, bah, il monte un peu plus. Mais là, la vue du fond, elle est dégueulasse, c'est vrai. On aurait dû la nettoyer. Oui, j'ai pas pensé. Waouh! Yaya! Il est super! On a cartonné! C'est le plus beau qu'on ait fait! On approche la plus de la moitié. Eh bien, on se dépêche parce qu'il va dégonfler. Ta-ta-ta! Maïmiou! Ouais. Ça va? Ouais, ça va très bien. Oui, mais je suis très bien. Yaya vient d'un autre monde, d'un monde très éloigné du monde d'aujourd'hui et du monde dans lequel j'ai moi-même vécu. Mais ça ne nous a jamais empêché de nous comprendre. En la voyant rire, en la regardant manger son soufflé, en la sachant fière de l'avoir réussi, je me sens moi aussi très fière d'être la petite fille de cette très grande dame. Moi j'ai l'air d'une andouille. Non, tu souris. Souris. Je ne sais pas sourire. Souris. Je peux rire, mais pas sourire. Je ne sais pas faire. Baisse-toi plus. Ah, c'était bien. Alors, qu'est-ce que ce film évoque pour vous? Quelles sont vos réflexions? Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une grand-mère avec sa petite fille. Décrépitude, elle-même. Quelqu'un qui a gardé son envie de faire. C'est pas tout à fait ce que je vois. Non, je vois plus un échange. Un échange d'amour entre la petite fille. Un échange. Un partage, une complicité. Qui a gardé. Donc effectivement, il est question de protéines aussi, hein. Fromage, du lait. Mais autour de cette alimentation, il y a aussi cette notion de partage. Et il y a notre rapport, le rapport que l'on a à l'alimentation, qui est tout à fait spécifique et qui est lié à chacun et lié à notre propre histoire. Dans cette notion de l'alimentation, il y a aussi cette idée de transmission. Alors, il y a une transmission de recettes, c'est l'outil, c'est le savoir-faire d'une grand-mère et de sa petite fille. Mais dans cette transmission, il y a cette idée transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'au fil des époques,
autour de la nourriture, on continue à partager et on continue à échanger et à transmettre. On va revenir sur notre rapport justement à l'alimentation et sur notre propre histoire. J'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour pouvoir partager cette histoire autour de la nourriture et ce que cela représente pour vous. Si on prend un moment et si vous faites remonter à votre conscience le temps des repas lorsque vous étiez enfant. Alors, où est-ce qu'ils avaient lieu? Qui était autour de la table? Les parents, la fratrie? Peut-être que les enfants mangeaient à part. Oui, non. Non. Ce que vous mangez. Alors, il y a des plats, il y a aussi parfois des assiettes qui pouvaient être pas complètement pleines certains jours, puis d'autres où il y avait un peu plus d'abondance. J'entends pas. Il y a aussi ce que vous aviez le droit de faire et ce qui était interdit, je suppose. On écoute sous la table, par exemple. Ne pas parler. C'est ça. Ne pas se lever. Ne pas se lever. Ne pas se lever. Oui. On ne joue pas, bien sûr, avec la nourriture. On n'avait pas le téléphone. Voilà, déjà. Donc, un plat ne pouvait pas être refusé, c'est ce que j'entends. C'est ça, hein? Donc, lorsque l'on vous servait quelque chose à table, il fallait finir son assiette. Les repas étaient peut-être moins variés aussi. Ah oui, bien sûr. Parfois, selon la période, ce qu'il y avait dans le jardin, pour certains peut-être une exploitation familiale qui faisait que certains aliments revenaient plus souvent dans l'assiette. Manger les légumes et les fruits de saison, oui. Quand il y a des choux dans le jardin, on mange des choux et pas des tomates. Pas de surgelés. Peu de surgelés, le mode de conservation était différent. Tout ça, c'est ce qui constitue votre histoire, votre rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, si vous regardez ce qu'il y a dans votre assiette, vous allez trouver un lien avec votre enfance. Alors, on est sur l'Angeac. On était un territoire où il y avait pas mal de saumon, du tintin, et où, dans les familles, on mangeait énormément de poissons et de saumon. Aujourd'hui, peut-être qu'un pavé de saumon dans votre assiette, ça ne vous fait plus trop envie, parce que vous en avez tellement eu. Ça ramène à ce souvenir d'enfance. Aujourd'hui, on a aussi... Il y avait la morue. Ouais. Exact. Donc là, je suis sûre qu'il y a des souvenirs qui reviennent aussi. Le vendredi. Peut-être un petit peu avant, effectivement. Maintenant, oui. Avant, on disait que c'était le plat du porc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de légumes racines aussi. Les fameux légumes racines. Alors, pour certaines générations, c'est une nouveauté. Pour d'autres, ça n'est pas. Vous avez pu les topinambours, c'est pas quelque chose qui renvoie à une alimentation positive, parce que dans votre histoire, le topinambour, c'est le lapin. Il y en avait trois fois par semaine, on en a un peu marre. Voilà. Donc, vous n'allez pas avoir forcément envie de préparer aujourd'hui. Des topinambours. Donc tout ceci pour vous dire que ce que vous mangez aujourd'hui, c'est en lien avec ce que vous avez mangé enfant et le cadre aussi dans lequel vous avez mangé. Alors on parlait des topinambours, c'était l'aspect un peu négatif. Si on poursuit, on va aller sur un aspect qui est un peu plus... positif, quand on va faire appel justement à nos sens et à notre mémoire des sens, c'est ce que l'on appelle la Madeleine de Proust, que l'on a tous, alors ça c'est la référence littéraire, mais si vous creusez dans vos souvenirs, vous avez aussi
un plat salé ou sucré qui vous rappelle une personne aimée, un moment peut-être dans l'année. Et puis ce plaisir aussi des sensations, ce goût, ces saveurs que vous aviez en bouche. Le riz au lait. Le riz au lait, par exemple. Alors d'autres exemples de... La saucisse purée, ouais, dans la purée pour mettre du jus. Pour mettre du jus. Ah, c'est vrai. Quelle était votre madeleine? Les riz de veau. Les riz de veau. Donc là encore, on fait appel à notre mémoire. Et si aujourd'hui, vous avez envie de préparer un riz au lait, vous faites référence à ce souvenir positif et vous allez donc avoir envie de le préparer et vous allez avoir envie de le déguster. Et vous aurez certainement envie de transmettre ce riz au lait comme cette grand-mère qui transmet à sa petite fille sa recette du soufflé. Alors maintenant, on continue à voyager dans ces souvenirs, peut-être un peu plus récents, et je vais vous demander de faire une expérience tous ensemble, si vous êtes d'accord, pour se remémorer un repas partagé. Donc, pour ce petit exercice, je vais vous demander de fermer les yeux. On va inspirer profondément une première fois. Donc on inspire et on souffle. Puis une seconde fois. Et une troisième fois. Maintenant, vous allez laisser remonter à votre esprit, en ayant les yeux fermés, un repas que vous avez partagé dernièrement, un bon moment. Vous allez vous rappeler du lieu, peut-être chez vous, vous étiez peut-être invité. Vous allez vous rappeler les personnes qui étaient présentes, de la famille, des amis. Du plaisir que vous aviez de vous retrouver, de discuter. Puis vous allez faire remonter à votre mémoire les plats que vous avez dégustés. Peut-être leur odeur, leur saveur. Et on va garder en mémoire tout ce positif, toutes ces émotions que vous avez eues à ce moment-là. Et ça restera dans un coin de votre mémoire. Ce sera relié à vos souvenirs positifs avec l'alimentation. Et enfin, vous pourrez respirer profondément une première fois. Puis une seconde fois. Et une troisième fois. Et vous pourrez ouvrir les yeux.
drôle d'expérience que je vous demande. Est-ce que pour chacun d'entre vous, il a été possible de retrouver ce moment partagé, ce plaisir et les émotions que vous aviez éprouvées à ce moment-là? Oui. Moi, j'ai eu trois potes au feu dans trois circonstances différentes. Oui. Mais avec, enfin, oui, j'avais une tante qui faisait une beauté sur le coin de la cuisinière quand j'étais enfant. Et après, j'ai ressenti cette vision bien cuite, ce moment de plaisir. Donc vous avez pu retrouver au niveau des sens, à la fois cette odeur sur le coin de la cuisinière, à la fois cette saveur en bouche, certainement, et puis le cadre qu'il y a autour. C'est important, comme souvenir, c'est positif comme émotion. D'autres personnes ont pu retrouver ces émotions autour de l'alimentation. Toujours un peu trop. Des personnes qu'il y avait avec vous. Une atmosphère chaleureuse, je crois que c'est ça aussi. Bien sûr. Donc il y a toute cette notion de fonction vitale hein, que l'on a abordé dans un premier temps. Mais il y a aussi tout ce volet émotionnel, tout ce que cela représente, tout ce que ça peut ramener à nos souvenirs. Et aujourd'hui, lorsque vous préparez votre repas, vous faites appel à ces souvenirs. C'est pour ça que l'on va voir quelques outils. Voilà. Donc, ce sont quelques petits conseils, quelques petites idées à garder à l'esprit pour pouvoir manger en pleine conscience. Alors l'alimentation en pleine conscience, avant le repas, c'est de préparer son repas sereinement et avec plaisir. En faisant les courses, vous avez peut-être eu un coup de cœur pour un aliment, pour sa couleur. Vous avez peut-être vu une recette sur un magazine, sur un ordinateur. Et vous allez préparer votre repas, mais avec plaisir. Vous avez envie de préparer ce repas-là. Toujours avant le repas, une chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir mettre en éveil l'ensemble de nos sens. C'est-à-dire à la fois notre vue, donc là ce sera par une table qui sera bien mise par exemple, mais aussi son assiette. Pouvoir dresser son assiette, c'est important, parce qu'on commence à être dans cette notion de plaisir autour du repas. Et puis toujours dans le cadre, avant le repas, eh bien, de pouvoir manger en pleine conscience, ça veut dire éteindre la télévision, éteindre le téléphone ou l'ordinateur. Parce que si vous avez autour de vous une source sonore qui est importante, vous allez perdre cette conscience de votre repas. C'est-à-dire que vous allez manger par réflexe, vous allez manger pour répondre à un besoin vital, mais vous n'éprouverez pas de plaisir ou d'émotion à prendre votre repas. Le deuxième temps, c'est justement pendant le repas. Vous avez par exemple visuellement de regarder votre assiette, de constater les couleurs des aliments qui la composent, les textures, de se rendre compte qu'il y a une belle disposition. C'est aussi un plaisir de passer à table et de manger. Bien sûr, prendre le temps de mâcher lentement. Donc là encore, pour éviter un acte réflexe, si on mâche, si on apprécie le repas que l'on est en train de faire, on va pouvoir profiter des saveurs qui se dégagent du plat que l'on a préparé. Écouter ses envies, c'est important. Parce que là aussi, on est dans une notion de plaisir. Et observer les sensations produites par les aliments. On est dans un instant présent et se rendre compte que tel aliment va nous apporter telle satisfaction ou peut-être aussi tel gêne. Ça peut être l'acidité d'un aliment, ça peut être le côté sucré, positif. Et enfin, lorsque l'on a fini son repas, porter son attention sur son ventre.
Alors, lorsque l'on passe à table, on peut avoir une sensation de tiraillement. On a un petit peu faim. Et puis, au fil du repas, de constater, lorsque l'on a fini, que l'on se sent bien, repu, qu'il n'y a pas assez observé cette satiété, ça permet aussi de se rendre compte du plaisir que l'on a pris lors de ce repas. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est ce que l'on appelle manger en pleine conscience, l'alimentation en pleine conscience. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on puisse passer aux travaux pratiques. Donc je vais vous proposer un carré de chocolat. Et on va prendre le temps de déguster ce carré de chocolat. Alors, est-ce que ça va arriver? Vous aurez des différents chocolats avec des teneurs plus ou moins importantes. Donc n'hésitez pas à prendre le carreau de chocolat qui vous correspond et que vous aimez. Celui-ci, c'est 65%. Donc 70 et 85. Pour l'instant, on se retient. On ne va pas manger tout de suite. Moi, je veux bien. Merci. 85. Merci. Alors pour commencer cette dégustation, on va prendre ce carreau de chocolat dans notre main et on va l'observer. C'est avant qu'il fonde. C'est pareil. Bon. Alors on va regarder ce carreau de chocolat, donc son aspect, sa couleur. Finalement, la première idée qu'on pourrait avoir de ce carreau de chocolat, est-ce qu'il nous semble appétissant, est-ce qu'on en a envie? Aspect lisse. On va déjà être dans une projection de ce que l'on va manger, c'est-à-dire qu'on imagine déjà, enfin, je vais pouvoir vous dire, on met dans la bouche. Mais pour l'instant, on va le regarder. Ensuite, vous allez le porter donc à votre nez pour essayer de sentir. Cette odeur. Ça fait peut-être référence à certains souvenirs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis je vous délivre, on va enfin pouvoir le poser, mais sur notre langue, sans le croquer. Et là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux si le contexte est gênant pour vous, sinon gardez les yeux ouverts.
vous avez un carreau de chocolat posé sur votre langue. Vous allez essayer de repérer sa place dans votre bouche, peut-être sur le côté. Vous allez sentir des saveurs qui se dégagent. Vous allez peut-être saliver. Et enfin, vous allez croquer dans ce carreau de chocolat et pouvoir le déguster. Est-ce que vous voulez bien que l'on partage vos ressentis après cette dégustation? Est-ce que vous avez pu découvrir des saveurs en prenant le temps de manger? Oui. D'habitude, on mange plus vite. C'est ça. Donc, je suis un peu embêtante, hein, parce que c'est de la frustration de vous demander de le regarder sans le croquer. Mais finalement, une fois qu'on l'a croqué, on découvre de nouvelles saveurs, de nouvelles manières aussi de manger, de déguster. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avant, pendant et après le repas. C'est que parfois, on prend son repas plus par habitude, par réflexe. C'est l'heure, on passe à table. Et finalement, on n'est pas dans ce moment présent de se dire qu'est-ce que je mange, quel goût ça a, et du coup, quel plaisir j'éprouve en mangeant un nouveau plat ou un plat qui fait référence à notre enfance et à notre histoire. Est-ce que certains d'entre vous veulent bien nous parler justement de cette histoire? Vous avez autour des aliments. Tout à l'heure, on a entendu parler d'un pot-au-feu qui est mijoté sur le coin du fourneau et qui encore aujourd'hui est préparé, je suppose. Oui. Peut-être différemment, mais voilà. Est-ce que vous avez des recettes? Est-ce que vous avez des plats qui ont suivi finalement toute votre histoire depuis votre plus jeune âge? Oui. Vous préparez ces plats avec plaisir encore aujourd'hui? Pour vous? Pour vos familles? Vous êtes un petit peu comme cette grand-mère qui a encore plaisir à faire son soufflé. Alors peut-être que ce soir, en préparant votre repas, vous pourrez penser à cette dégustation qu'on a faite cet après-midi, toutes ces notions aussi bien nutritionnelles, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, est-ce que je peux prendre un œuf de plus ou un morceau de viande, est-ce que j'en reste à ma soupe, mais aussi tout ce qui est autour, quel plaisir j'ai à manger, à partager ce repas avec quelqu'un et quelle émotion j'éprouve lorsque je mange un aliment. Est-ce que vous avez des questions, des sujets qu'on n'aurait pas abordés ou sur lesquels vous voudriez qu'on revienne? Le sucre, j'allais dire le sucre. Alors le sucre, c'est pas moi. Moi, c'est chocolat. Alors, le sucre, plus précisément, c'est-à-dire? Le sucre blanc, le sucre rouge, quel sucre utiliser? Et combien par jour? Et combien? Alors, donc combien le sucre, on va dire, ajouté, il est à limiter, on va dire, entre guillemets, le plus possible. Il n'est pas interdit non plus. Ce qu'on conseille, c'est des sucres, c'est-à-dire naturels. Donc, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de fleur de coco,
le sucre de canne complet. Alors il y a attention, faire attention, des fois on pense que le sucre roux est du sucre complet. La plupart du temps, du sucre roux est du sucre qu'on a mis en blanc, qu'on a teint en roux. Voilà. Donc le sucre de canne complet a un petit goût, on va dire, de cannelle, de miel, de vanille. Et lui, nutritionnellement, il est intéressant parce qu'il y a des vitamines, des minéraux. Voilà, donc le plus souvent possible, privilégier des sucrants, on va dire, naturels. Et en quantité, par exemple, ça va être, on dit maximum 4 carrés par jour de sucre. C'est ça. Par exemple, un yaourt ou un fromage blanc, on peut le sucrer avec une confiture maison, avec un kiwi qu'on coupe en petits dés, voilà. Ça va permettre de sucrer le yaourt que de rajouter du sucre raffiné qui ne va pas apporter grand-chose. Et le sucre bio qui va... Alors, le sucre... Alors, bio ne veut... Alors, il y a... Je vais éclaircir un petit peu tout ça. Bio ne veut pas dire sain. Quelque chose de bio peut être bourré d'additifs, en fait. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, des substituts de viande, par exemple, dans les magasins bio. Donc, c'est souvent dans les magasins bio. Par exemple, les choses comme Bjorg ou des choses comme ça peuvent être bio, mais bourrées de sucre blanc bio, en fait. Voilà. Donc, le sucre blanc ne peut pas être bio puisqu'il est raffiné. Alors, l'abréviation biologique, c'est par rapport au mode de production et de culture. C'est pas parce que l'aliment est transformé qu'il n'est pas bio. En fait, la culture de l'aliment, les cannes à sucre peuvent être cultivées de manière biologique, sans pesticides, mais il sera automatiquement, on va dire, dans les usines et du coup raffiné. Donc il peut être bio, mais blanc. Oui, c'est des termes assez... Les industriels en jouent, hein, c'est... La définition du bio entre chaque pays, c'est... Oui, 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 c'est ça. Donc du bio français a une toute autre tournure que si c'était du bio australien ou même italien. Ou... Chaque pays a son appellation bio. Du bio en fait. Émorgé naturel, c'est du bio... Non, oui, oui, oui. Il y a d'autres questions sur autant du point de vue nutrition que... Qu'est-ce que vous pensez du curcuma? Ah, curcuma, tout ce qui va être épices, curcuma, cumin, gingembre, il y en a plein, hein, paprika. Toutes les épices, vraiment, vont avoir de très bons effets antioxydants, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de nos cellules, vont permettre de capter les toxines et de... détoxifier entre guillemets le corps, le gingembre pour la vitalité, choses comme ça, le curcuma pour les défenses immunitaires, la cannelle aussi. Donc sur les épices, je vous encourage justement à les utiliser, même pour du coup ça aromatise, ça crée des saveurs, ça rappelle aussi des souvenirs, des fois un restaurant où on a été qui a utilisé du curry ou des choses comme ça. C'est super intéressant. Et la diète, il y a une grande guerre entre les gens qui sont pour la diète et puis d'autres non. Alors la diète, c'est-à-dire ? Ben, des gens qui ne vont pas manger pendant 24 heures. Et puis maintenant, là, depuis quelque temps, on entend dire que c'est catastrophique. Le jeûne, vous voulez dire ? Oui, oui. Alors le jeûne peut avoir de très bons effets sur certaines personnes. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de maladies au niveau du côlon, rectocolite, maladie de Crohn. Donc on va laisser l'intestin en repos, du coup, ça va lui faire du bien. Mais chez quelqu'un, on va dire, qui a tout le temps mangé, 4 repas par jour depuis sa tendre enfance, d'un coup, on va lui mettre un jeûne de 12 heures, voire des fois de 24 heures, et là, le corps ne va pas trop comprendre, en fait, il va être choqué. Et du coup, c'est pas forcément optimal, on va dire, pour le corps. Alors, de temps en temps, des fois, par exemple, on a fait, les repas de fête vont arriver, on va faire un gros repas le soir de Noël. Le lendemain matin, on n'a pas forcément faim. Si on est dans l'écoute de ces sensations alimentaires, on se dit non, là, j'ai vraiment pas faim.
on peut sauter le petit déjeuner si notre corps nous le demande. Et si si à 11h on a faim, on peut prendre un petit fruit évidemment. Mais voilà, si c'est volontaire dans le cas d'une perte de poids, je ne le conseille pas. Parce que ça va engendrer plus de la frustration qu'autre chose, pardon. Par contre, si c'est un conseil du médecin d'un point de vue digestif, là par contre, oui, ça peut être intéressant. Mais dans le cas d'une perte de poids ou voilà, de toutes ces choses-là, c'est pas forcément. Le corps est très bien fait, donc on va enlever un repas quelque part et il va compenser sur les autres repas sans s'en rendre compte. On va se tourner vers des aliments plus caloriques en fait, pour que le corps compense et les apports. Et justement, après 60 ans, c'est pas du tout le cadre recherché. Et les agrumes, on peut en prendre beaucoup ? Alors, les agrumes, chez quelqu'un de bien portant, oui. Mais par exemple, si on a des reflux gastriques, là par contre, ils sont un petit peu à réguler ou à éviter. On dit par exemple un agrume par jour. Admettons le matin vous allez prendre un kiwi, à midi vous allez plutôt prendre une banane. Et si vous faites kiwi, clémentine, orange, ça peut faire beaucoup au niveau de l'acidité, on va dire, l'estomac. Voilà, c'est dans tous les points de vue de l'alimentation, c'est vraiment une question de modération en fait. Il n'y a pas de sans agrumes ou que agrumes, c'est voilà, varié. Si au niveau gastrique il n'y a pas de reflux ou de remontée gastrique, elles sont. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Si on boit plus d'un litre de thé par jour, est-ce que c'est mauvais? Alors, le thé a des très bons effets au niveau du corps. Par contre, en excès, c'est comme tout. Hein. Un litre de thé, alors tout dépend. Si c'est du même sachet. Ah non, non, non. Du thé, on peut par exemple avoir du thé noir le matin et à midi du blanc ou du vert. Hein. Alors, deux thés par jour, c'est convenable, on va dire. Après, si c'est dans l'après-midi et le soir, donc déjà, ça peut empêcher l'endormissement. Parce que la théine, c'est un excitant, c'est comme la caféine. Donc ça va stimuler, donc on va avoir plus de mal à s'endormir. Et la théine aussi va être un inhibiteur de l'absorption du fer. Oui. C'est-à-dire, admettons, on va manger des lentilles au cours du repas et on va boire un thé à la fin du repas. La théine présente dans le thé va bloquer l'absorption du fer présent dans les lentilles, par exemple. Alors là, on est vraiment dans la micronutrition, hein. Donc voilà, varié thé et infusion. Les infusions, normalement, il n'y a pas de théine dedans. Donc un thé le matin, super. Et dans l'après-midi ou après un repas, plus privilégier une infusion, d'une pour éviter de bloquer l'absorption du fer, et de deux pour éviter de perturber le sommeil. Voilà. Même après, d'un point de vue diurétique, ça peut fatiguer aussi le rein. De filtrer toutes ces molécules. Merci à tous. Oui. On va peut-être laisser la parole. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de poser toutes vos questions. Est-ce qu'on a pu faire le tour de l'ensemble de vos questions? Ça semble être tout bon. En tout cas, j'espère que ces interventions vous ont éclairé sur certains sujets, vous ont permis d'avoir des clés et puis peut-être un nouveau regard pour vos prochains repas par rapport à ce qui a été dit. Alors la petite après-midi ne va pas s'arrêter là, on va prendre ensemble un goûter pour pouvoir peut-être échanger de manière un peu plus spontanée et directe, que ce soit avec Delphine ou avec Rebecca, peut-être sur d'autres sujets. N'hésitez pas par rapport à ça. Encore une fois, je tenais à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour cette conférence. Je remercie encore une fois la mairie, Madame Botin et Monsieur Aldon de nous avoir accueillis et
très très bien accueillis à l'Anjac pour pouvoir vous présenter cette conférence, ainsi que le département de la Haute-Loire. Donc vous allez voir au niveau du petit goûter, vous avez différents documents. Donc cette semaine, nous sommes en pleine semaine de lutte contre la dénutrition. Donc par rapport à ça, un petit carnet a été édité avec des petites informations, des recettes. Donc n'hésitez pas, ils sont à disposition, donc vous pouvez les prendre. Et nous avons également des fiches thématiques que vous pourrez ramener chez vous, mettre sur frigo. Il me semble qu'il y a des légumes de saison, par exemple. Ça vous permet de savoir quels légumes je vais acheter plutôt au mois de novembre, qu'est-ce que je vais acheter au mois de mai. Donc n'hésitez pas à les prendre également. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous transférerons, on n'a pas les adresses mail de tout le monde, mais on transférera au niveau de la mairie non seulement les photos que l'on a pu prendre, mais également le diaporama. Donc vous pourrez retrouver ce qui a été dit, peut-être refaire chez vous des petits exercices de remémoration, de souvenirs de repas et autres, et également les recettes si vous voulez les tester au cours de vos prochains repas. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle après-midi. Et nous avons vraiment à cœur d'apporter des actions qui soient adaptées à vos besoins. Donc vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction. Donc si vous pouvez nous faire un petit retour sur ce qui vous a plu, un petit commentaire sur ce que vous avez apprécié ou pas, pour que l'année prochaine, si on a l'occasion de revenir auprès de vous, on puisse vous apporter peut-être des réponses sur d'autres sujets ou approfondir peut-être un sujet. En tout cas, nous, on est toujours preneurs des retours de chacun pour continuer à s'améliorer et proposer des actions qui vous conviennent. Eh bien, en tout cas, merci et on vous attend. Tout va être prêt de l'autre côté. Merci à vous. C'est pas froid. C'est vrai.